Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Lily FJ et la beauté des anges. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça m'encourage énormément à continuer et donc je voulais vous dire un immense merci. Voilà, donc là je viens de faire un tirage concernant le sentimental pour le collectif. Donc j'ai beaucoup de messages, voilà. Donc vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, d'accord. Ne prenez uniquement que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, voilà. Peut-être qu'il y aura plusieurs messages, peut-être qu'il n'y aura aucun message, ce que je n'espère pas pour vous. Et peut-être que vous aurez juste un message, mais qui sera très pertinent et ce sera le message que vous attendez. Voilà, donc allez, on y va. Alors. Donc, on me parle, pour certains et certaines d'entre vous, de période d'abondance. Donc là, c'est une guidance pour les prochains jours, puisque demain, on a la nouvelle lune. Donc c'est synonyme de la fin d'un cycle. Donc c'est un nouveau cycle qui commence, de nouvelles énergies qui se mettent en place. Voilà. Donc là, on me parle, pour cette nouvelle lune, d'abondance. Voilà. Il y en a certains d'entre vous qui vont récolter le fruit de leur travail. Acharné, j'entends, acharné, il faut le préciser. Voilà, donc, tous les efforts que vous avez faits vont vous conduire vers une abondance sentimentale. Vous allez enfin obtenir ce que vous voulez. Il y en a également parmi vous qui, là, vont tourner une page parce que ils étaient dans une certaine peur. Donc, je pense que c'est des gens qui étaient en séparation ou qui sont en séparation. Puisqu'on me parle de quelqu'un qui ressasse beaucoup le passé, qui est vraiment en manque de l'autre. On me dit que les choses vont changer, que vous allez retrouver une certaine tranquillité d'esprit, une certaine paix. Voilà. Et on vous demande de laisser place à l'imprévu, à l'inattendu. Voilà. De laisser le passé au passé. Parce qu'il y a des très belles choses qui arrivent, puisque là vraiment on met l'accent sur une période de paix et de tranquillité. Parmi vous, il y en a qui attendent désespérément un message de leur autre, de la personne de leur cœur. On me dit que vous allez enfin recevoir ce message, mais sous un retard. Donc, voilà, le message que vous attendez de la personne va arriver, mais avec un petit peu de retard. On me parle pour certains de la fin d'une solitude. Il y en a qui se sentaient assez seuls. Et là, on me parle d'une rencontre avec votre âme sœur. Voilà. Donc, ça va vraiment être une rencontre importante, voilà, qui va vraiment vous marquer dans la vie. Pour certains d'entre vous qui sont devant un choix, on m'a dit que votre choix est protégé. On vous demande, donc c'est un choix sentimental entre deux personnes, on vous demande de choisir avec votre cœur, tranquillement, car ce choix va vous apporter la paix, l'abondance, l'amour. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix. Voilà, vraiment on insiste, écoutez ce que votre cœur vous dit.
Écoutez votre cœur, car ce choix est protégé et il va vous apporter l'abondance. Donc réfléchissez bien, posez-vous tranquillement et faites le bon choix. Voilà, faites le choix suivant vraiment votre cœur. Alors, pour certains d'entre vous, la nouvelle lune va agir dans toute sa splendeur. Puisqu'on me parle d'une rencontre, mais d'une rencontre très magnétique, très envoûtante. On me parle de passion, on me parle de coup de foudre. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, attendez-vous lors des prochains jours à être sérieusement bousculés, à avoir la foudre qui vous tombe dessus, parce que vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Mais ça va vous tomber dessus. De toutes les façons, vous le saurez parce que vous serez tellement surpris, déstabilisé et passionné face à cette personne que vous saurez que voilà, vous avez eu un vrai, vrai coup de foudre. On me parle également, pour certains d'entre vous, d'un déménagement. Donc ça peut être également... un emménagement pour une vie en commune. Voilà, puisque là on est vraiment sur le thème sentimental. On me parle également que durant ces nouvelles énergies, durant ce week-end, certains ou certaines d'entre vous vont recevoir un petit cadeau. Et on me parle de bagues, donc il y a de la demande en mariage dans l'air. On me parle également pour certains et certaines d'entre vous de retrouver votre enfant intérieur. On vous parle de voir vos amis. On me parle de surprises, de retrouvailles. Voilà, je vois des personnes qui vont être très très gaies, très joyeuses. Je vois des personnes qui rient aux éclats. Donc vraiment, certains d'entre vous ont passé un très 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 bon week-end avec leurs amis, avec leurs chers et tendres. Ça va vraiment être un moment de retrouvailles, de paix et de rire. Il y en a qui viennent de rencontrer quelqu'un. On me dit que ça va progresser lentement mais sûrement, qu'il va y avoir une transformation. On vous demande donc de vivre cette nouvelle relation dans la paix, dans la tranquillité de l'esprit, laissez faire les choses tranquillement, sans vous poser 10 000 questions, ça va marcher, ça va pas marcher, stop. Lâchez prise et vivez vraiment sereinement cette nouvelle aventure. On me dit également que pour certains d'entre vous, ce que vous attendiez désespérément au fond de votre cœur, concernant la personne de votre cœur, on vous dit bien que l'amour est réciproque. Ah oui, vous voyez pas trop là avec la lumière. Donc, on me parle d'amour réciproque, on me parle de vœux exaucés. Donc là également, on peut me parler du retour de l'être aimé. On me dit également que pour la plupart d'entre vous, parce que c'est quand même une période de transformation avec des nouvelles énergies, on met vraiment l'accent sur la paix, la tranquillité d'esprit, l'abondance dans la joie, dans l'amour, dans tout en fait. Et on me parle vraiment de recevoir les honneurs. Donc vraiment, ouvrez-vous à recevoir l'abondance parce qu'il va y en avoir beaucoup et va y en avoir pour tout le monde. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc n'oubliez pas, hein, c'est une guidance sentimentale générale. Donc c'est des petits messages. Voilà, de toute façon, moi je marche au feeling et suivant ce que mes guides me disent ainsi que les cartes.
Donc peut-être qu'il n'y a pas tout qui vous aura parlé. Voilà, donc il faut vraiment, vraiment écouter ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma page si vous avez aimé cette vidéo ou à m'envoyer un mail. Donc je fais également des guidances personnalisées via le téléphone ou en vidéo live ou dans ma roulotte. Donc moi j'habite près d'Arles dans les Bouches-du-Rhône, donc je vous accueillerai avec grand plaisir. Voilà, sur ces belles notes d'abondance et de tranquillité d'esprit, je vous souhaite une très belle soirée. Passez un très bon week-end. Je pense que samedi ou dimanche, je vais faire de nouveau un tirage, donc un quiz. Donc pour un quiz sentimental pour le collectif et un quiz sentimental pour les flammes jumelles. Voilà. C'est des questions, c'est une série de questions en fait que je pose. Je pose toujours les mêmes. Et après, ben, je marche au feeling. Donc des fois ça va être ben, tous les jours, des fois ça va être tous les 2-3 jours. Ça dépend ce qu'on me dit là-haut. Voilà, bon ben, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien. Et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.